Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, je pense que c'est le 26, mais j'en suis pas sûr du tout. Alors, 26 octobre. Nous allons regarder l'actualité actuelle, sans trop poser de questions, avec le Divin Actu, voir ce que lui peut nous dire. J'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu en ce moment-là? On m'a parlé de la lune du 28, c'est une pleine lune qui serait pas trop bonne au niveau des ondes plus noires, plus néfastes. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je ne sais pas si vous me voyez bien parce que il doit être 3h de l'après-midi, on a l'impression qu'il est 6h. Donc. Il fait très très sombre, très très sombre. Alors il y en a un peu partout de ces cartes. Oh là 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 là. J'installe. Du coup, c'est moi qui n'y vois plus. Alors, hop, ça peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en France là? Parce que ça bouge pas trop. Ah, il y en a plein qui sont venus d'un coup là. Bon. On va voir. Ah, oula. Alors là, j'ai l'Allemagne. Je sais pas si vous voyez les cartes. Là, j'ai l'Allemagne, j'ai l'Israël. J'ai des mauvaises nouvelles. Il y a une porte ouverte. C'est sur cette carte qui me sort. Ça, ça peut être... C'est pas bon, c'est le Varan, c'est un peu le diable, c'est le serpent. Un scandale, et bien sûr, les reptiliens. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous annonce là? On a quand même en centre de jeu quelque chose qui est important. Nous avons la porte ouverte. Donc ça veut dire qu'on s'en sort. Parce que vous êtes dans le jeu, vous avez aussi la porte fermée. La mauvaise nouvelle venant de l'Israël et l'Allemagne. Moi, je voyais, et puis viennent par deux les cartes. Alors, des vérités, des révélations et des amitiés sur... Ils ont quand même des aides, les Israéliens. Là, vous voyez, ils ont des aides. Des vérités, des révélations. On va apprendre des choses. Hein. Et là, vous avez l'Allemagne. Moi, je voyais des attentats sur l'Allemagne et aussi des attentats sur l'Angleterre. Mais c'est chez nous aussi. Hein. Problème de gasoil, problème de carburant. Problème de gasoil et de carburant pour l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Mauvaise nouvelle ici venant de loin. Ça, c'est Van der Bras, ça. On a Van der Bras. Bah elle, c'est pareil. Plus tard, on voit comme un procès pour elle. Là, il parle de confession. On voit un confessionnal. C'est la carte du confessionnal ici. Mais c'est une femme qui, plus tard, aura des comptes à rendre. Ça ne va pas se passer pour elle comme elle veut. Pas du tout. Vous voyez, on a le feu. On a le feu. On a le ONU sur elle. C'est pas bon pour elle. La porte ouverte, là, la porte ouverte en centre de jeu. Il y a un homme qui nous aide aussi. On voit cet homme aussi qui nous aide. Hein. Le bateau, l'océan. Bah, on nous demande peut-être de partir au large. De partir au large. Je regarde toutes mes cartes parce qu'il y en a tellement que... Je cherche. Et les reptiliens, bien sûr. Oui, bah les reptiliens, on nous met la triche dessus. Donc faites attention quand même à tout ce que vous pouvez voir ou... percevoir beaucoup de migrants, exode, migration ici, scandale, scandale, scandale avec les migrants et les immigrations. Il y aura encore des bateaux échoués avec des décédés, bien sûr, et le Véran, voilà, moi j'ai ça sur le sport, j'ai le serpent, le Véran sur le sport, attention au sport aussi. On nous parle de problèmes avec les Jeux Olympiques l'année prochaine, il y a quelque chose de réticent, alors je les vois toujours moi, hein. Il y a quelque chose de réticent. Attention dans les transports, dans les trains, dans les métros, ça c'est au sujet des attentats sûrement. On nous le remet ici. Bon, en Israël, c'est quoi ce scandale-là? Attention à l'agriculture, aux campagnes, attention aussi, il faut faire attention partout en fin de compte, parce que même dans les campagnes, ils nous disent de faire attention. Alors, je recouvre. Normalement, ça devrait un peu bouger en Israël. Là, autant hier, on ne voyait pas, autant on voit quand même qu'ils avancent dans la bande de gaz plus loin ça. Ils avancent quand même.
Et la lune du 28, ouais, c'est pas. Faudrait que je la fasse toute seule, la lune du 28. Je la ferai peut-être demain. Énormément d'intempéries. Attention en France aussi, on voit beaucoup d'inondations, beaucoup d'intempéries, beaucoup d'eau. Et après, on voit un froid qui arrive tout de suite. Ça, il faut se rappeler de ça. Le froid arrive tout de suite. On aura peut-être même de la neige. Beaucoup d'éléments, d'éléments dévastateurs. Hier, j'ai regardé quelque chose. Comment ça s'appelle? Il y a un énorme ouragan au Mexique avec. C'est horrible. Hein. Il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de 300 km/h, je crois. C'était assez impressionnant. C'est pas courant chez eux. Hein. C'est au Mexique, c'est pas courant. Et là, vous voyez, tempête, éléments, ça se déchaîne. Les éléments vont rentrer maintenant, je pense aussi. Les éléments, la nature va rentrer dans un cycle très bizarre. On change de cycle. Hein. Vous voyez aussi du vent, de la houle, des problèmes d'eau au niveau, enfin de la mer. Au niveau de la mer Méditerranée, alors que la mer Méditerranée, c'est une mer qui est assez calme quand même. Hein. Ben là, on parle de tempête, on parle de vent dans le bas de la France. Hein. Dans le bas de la France, il y a du vent. Il y a d'autres voyants qui ont parlé de tsunami. Moi, je ne le vois pas. D'abord, on nous dit de rester zen, parce que là, vous avez la carte du bouddhisme qui représente d'être zen. On nous dit de rester zen, mais quand même, il y a quand même des éléments qui arrivent, en plus des nouveaux conflits avec toutes ces petites guerres et tout ça. En plus de ça, nous avons aussi maintenant la météo qui rentre en compte. La corne d'abondance, bah dites donc, on a la corne d'abondance ici, mais il manque, c'est un manque, mais on a quand même la corne d'abondance. On va la recouvrir, la corne d'abondance. Bah oui, mais on en est rendu au troc. Hein. Vous voyez, vous avez la corne d'abondance d'un côté, mais comme en ce moment on est plutôt en manque, on voit ici. Le troc, ici. Les gens cèdent entre eux. C'est ça qui était valable. C'est ça qu'il fallait faire. Il fallait essayer de céder mutuellement. Attention. Alors, on parle d'attentes plus lointaines, dans les métros, dans les gares, les aéroports, tout ça, faire attention. On nous parle de ça aussi. Au niveau du sport, il peut y avoir des attentes plus lointaines au niveau du sport. Et on nous dit, attention, les chrétiens. Faites attention, tout ce qui est chrétien. Tout ce qui est chrétien, ça peut être église, ça peut être choses comme ça. Ça, on sait qui c'est. Hein. Il faut rigoler, moi. La perruque. Alors, ça, c'est l'impératrice hein, des Français. Qu'est-ce qu'elle a, l'impératrice? Moi, je la sens pas trop bien, cette dame. Il faudra peut-être que je fasse un tirage ring pour elle. Ouais, bah oui. No, no. On aimait no, no, l'impératrice. No. No, no good. No good, no good. Et puis, ici, attention, ça ressort. Attention, attention, attention. Alors, vous voyez, vous avez la carte ici des reptiliens. Je vous ai dit de vous méfier de tout ça. On nous parle de triche et de fausserie, de choses fausses sur les reptiliens. Et là, vous voyez, bombe, attente, plus loin, t'as aussi également sur les reptiliens. Attention à tout ça, attention à tout ça. Ben, vous voyez, le divin actu, il parle pas mal. Parce qu'on arrive dans une période de vie qui est charnière. Notre civilisation va complètement changer à un moment. On est déjà dedans, elle change là. Hein. Et vous voyez, le divin actu nous ouvre des portes, plein de portes. Attention en Allemagne. Attention au gazole qui monte, on nous parle d'éléments qui se déchaînent en France, mais partout, hein, ça se déchaîne, partout, tremblement de terre, l'eau, tout ça. On nous dit quand même de rester zen et d'appeler à la prière, hein. Qu'elle soit d'ailleurs bouddhiste, musulmane, tout ce que vous voulez, hein, on est tous pareils, on a tous le même Dieu. Hein. Et on nous dit attention aux chrétiens, attention aux chrétiens quand même. Ouais, donc on regarde tout ça, voilà. Donc on est en plein dedans. On est en plein dedans. Eh bien, écoutez, c'était une petite voyance d'aujourd'hui au Divine Actu pour voir un petit peu. Ça évolue, ça va bouger. Ne hein. Vous inquiétez pas, ça y est, ça bouge. Ça y est. Avec la lune du 28, ça va... Quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose qui tourne avec la lune du 28. N'oubliez pas les pouces, parce que plus vous en mettez, plus ma vidéo est vue. Donc, n'oubliez pas les pouces, s'il vous plaît. Je vous fais des grosses bisous. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Merci à tous mes nouveaux abonnés et à mes anciens aussi. Je vous fais des grosses bises. Bisous, bisous, à demain.